chantier se situe sur l'autoroute A89 entre la barrière des Marques et Saint-Germain-Laval. L'objectif du chantier est de renforcer la sécurité des conducteurs. Des travaux consistent à remplir la marche en enrobé située en terre-plein central, rehausser les glissières et rénover les systèmes d'assainissement. La particularité de ce chantier se situe principalement dans sa longueur, puisqu'on s'inscrit sur 70 km. Afin d'aller au-delà de ce qu'on fait déjà dans notre démarche maîtrise d'ouvrage zéro accident, nous nous sommes questionnés sur la problématique de la pénibilité au travail. On s'est rendu compte tout de suite que si on ne mécanisait pas les tâches et si on ne mettait pas en place des moyens particuliers de production, on n'arriverait pas à tenir les délais. Et nous avons souhaité challenger un peu les entreprises afin de répondre et nous accompagner dans cette problématique. Donc on a mis en place des systèmes de réglage de glissière. On a 600 tonnes de califonte à déposer sur le chantier. Un système de rehausse de caniveau U mécanisé, quelque chose qui n'avait jamais été fait en France. Tout ça avec l'appui technique de nos équipes. Le groupement que nous avons choisi s'inscrit complètement dans cette démarche. Nous coopérons avec eux depuis le début du chantier. Au travers des différents épisodes, vous pourrez retrouver les innovations qui sont mises en place. Ce qui nous plaît chez Vinci Autoroute, c'est innover, améliorer nos méthodes et placer l'humain au cœur de nos réflexions.